Merci, je peux vous entendre tous. On a vécu avec ces musiques pendant des années. Voilà, à un moment donné, je pense, dans la vie, on se décide que c'est le moment de laisser une trace et de les inscrire en quelque sorte dans notre propre histoire. Puisque par rapport à la grande histoire, je crois qu'il voilà, ne faut pas être trop ambitieux, mais par rapport à la sienne, oui. Et alors avec Cossonia, c'est vrai que ça fait maintenant, avec Frédéric en tout cas, une vingtaine d'années qu'on pratique ces œuvres, qu'on vit avec, on les laisse, on les retrouve. Et du coup, il nous est paru vraiment évident qu'il fallait les enregistrer. Et puis, moi, je trouve qu'avec Bach, il y a quand même une question géographique. C'est-à-dire qu'on dit, oui, il a copié de la musique française, il a copié de la musique italienne, il a fait des espèces de synthèses, bien sûr. Et là, le côté italien, c'est évident, il y a les techniques d'écriture. Mais il y a le côté musicien de l'Est, quand même. Hein. Donc, il est toujours dans cet extrême Est de l'Allemagne, Europe de l'Est, Europe centrale. Et il y a un côté, j'allais dire, Bach tzigane, tu vois. Même si c'est une musique hautement raffinée, avec parfois des... une grande intellectualité, mais on sent qu'il y a une puissance physique là-dedans qui est très très forte.